In Jesus' name we pray. Hallelujah. We are all welcome in Jesus' name. Are we blessed to be in His presence? For it is always a blessing and a joy for us to be in the presence of God. Because in the presence of God, there is fullness of joy. Hallelujah. I cover you with the blood of Jesus. I cover your spirit, soul, and body with the blood of Jesus. In Jesus' name we pray. God is in control. Dieu est au contrôle. Whatever be your situation, whatever be that problem, quel que soit ce problème, cette know situation, that God is in charge. Hallelujah. Que Dieu est en charge. He is aware that you are in His presence today. Il est au courant que tu es dans sa présence. He is aware that we are here today in Jesus' name. Il est au courant que nous sommes là aujourd'hui. Have your wonderful seat and God bless you. Veuillez nous asseoir, que le Seigneur nous bénisse. Hallelujah. If you are new, you are welcome to the Holy Mountain Ministries in Jesus' name. Si vous êtes là pour la première fois, vous êtes la bienvenue dans ce ministère. Where the presence of God is, liberty is bound to come. Là où la présence de Dieu se trouve, la liberté est sûre. No matter that situation. Quelle que soit la situation. I'm just here today to encourage your faith. Je suis juste là aujourd'hui pour encourager that votre foi. Let not your heart be troubled. Que votre cœur ne se Hallelujah. Trouble pas. I don't know the situation that you came with. Je connais pas la situation avec laquelle vous êtes venu. Know that God is aware. Mais sachez que Dieu est au courant. It is not everything that we are passing through. Ce n'est pas tout ce que nous traversons. In short, as a Christian, en tant que chrétien, there is nothing that you pass through that God is not aware. Il n'y a rien que qui t'arrive que Dieu n'est pas au courant. He is aware of our situation. Il est au courant de notre situation. He is aware of that situation in your marriage. Il est au courant de cette situation dans ton mariage. He is aware of that your financial condition. Il est au courant de tes conditions financières. He is aware of that sickness. Il est au courant de cette maladie. Hallelujah. Everything we need to do is leave it for God. Tout ce que nous devons faire, c'est laisser cela. Leave it for Him. Say, neighbor. Dis, voisin. I must possess my possessions. Je dois posséder mes possessions. I must possess my possessions. Je dois posséder mes possessions. Indeed, by the end of this service, in one way or the other, you must possess your possessions in Jesus' name. En vérité, avant la fin de ce service, vous allez posséder vos possessions. Your possessions can be peace of mind. Votre possession peut être la paix du cœur. It can be a breakthrough in your marriage. Ça peut être une percée dans votre mariage. It can be a breakthrough in your spiritual life. Ça peut être une percée dans votre vie spirituelle. Hallelujah. But all we must possess our possessions in Jesus' name. Nous devons posséder nos possessions au nom de Jésus. That is the promise that God gave to the children of Israel. C'est la promesse que Dieu a faite au peuple d'Israël. That they will possess their possessions in Jesus' name. Ils vont posséder leurs possessions au nom de Jésus. Let us open our Bibles. Ouvrons nos Bibles. Let us open our Bibles to Genesis. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genesis chapter 15. Genesis chapter 15, we will read from verse 13 to 16. Genèse, chapitre 15, du verset 13 au verset 16. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Aaron, « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. » À Abraham, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur, et ils seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. » Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoriens aura atteint son comble. Amen. Genesis chapter 15, verse 13 to 16, I read in the spirit of the Most High. Then he said to Abraham, Know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them.
and they will afflict them 400 years. And also the nation whom they serve, I will judge. Afterward, they shall come out with great possessions. Now as for you, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried at a good old age. Verse 16, the last verse. But in the fourth generation, they shall return here. For the iniquity of the Amorites is not yet completed. This is the word of the Lord. Hallelujah. This was God speaking to Abraham. By then, he was not yet Abraham. À ce moment, ce n'était pas encore Abraham. He was not yet Abraham. Because he only became Abraham, il est devenu Abraham when he obeyed the voice of God and left his father's house. Lorsqu'il a obéi la parole de Dieu et qu'il a laissé and la maison de son père. His name was changed son nom from Abraham to Abraham. D'Abraham à Abraham. Hallelujah. God spoke to him. Dieu lui a parlé. I promise you that I will bless your generation. Je te promets que je bénirai ta descendance. But let me tell you today. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui. That your descendants. Que ta descendance. Will be in captivity. Iront en captivité. 400 years. Pendant 400 ans. Those that they will be under. Ceux qui seront en dessous. They will serve them. Ils vont les servir. They will maltreat them. Ils vont les maltraiter. They will afflict them. Ils vont les affliger. Hallelujah. But after that, mais après cela, they will come out. Ils vont sortir with a great possession. Avec de grandes possessions. Hallelujah. Now we hear the children of Israel they suffered in Egypt. They did that. Maintenant on entend que le peuple d'Israël a souffert en Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe? Their suffering was prophesied by God. Leur souffrance avait été prophétisée par Dieu. It was predestined by God. Ça avait été établi par Dieu. For them to be in captivity for 400 years. Qu'ils soient en captivité pendant 400 ans. Why the 400 years? Pourquoi les 400 ans? Because the land that he promised for them. Parce que la terre qu'il leur avait promise. Because the possessions that he promised them. Parce que les possessions qu'il leur avait. Because the blessings that he promised them. Les promesses qu'il leur avait faites. Were to be ready after 400 years. Ne devait être disponible que après 400 ans. Hallelujah. God said. Dieu a dit. The iniquities of the Amorites were not yet completed. Il a dit que l'immoralité des Amoriens n'était pas encore terminée. Hallelujah. And it was the land where the Israelites had to come and dwell. Et c'était sur cette terre que le peuple d'Israël devait venir vivre. Now, God needed to send them out. Dieu devait d'abord enlever. Mais il voulait d'abord qu'il pose un acte qui devait and God has seen that anger can only be completed after 400 years. Et Dieu a vu que cette colère ne pourrait être complétée qu'après 400 ans. Hallelujah. Are we hearing something? Est-ce que nous comprenons quelque chose? In the space of these 400 à la place de ces 400 ans. No matter the prayers that the children of Israel prayed. Quelles que soient les prières que le peuple d'Israël pouvait nothing faire. Nothing could happen. Rien ne devait se passer. I want to open our brains. We should understand something. Je voudrais que nous comprenions quelque chose. In this spiritual life, in this spiritual journey. Dans ce voyage spirituel. There are some truths that we need to understand. Il y a des vérités que nous devons comprendre. If we understand this truth, we will live in life as if nothing is happening. Si nous comprenons cette vérité, nous allons vivre comme s'il n'y a pas de. We will live a life as if attacks does not exist. Nous allons vivre comme s'il n'y a pas d'attaque. Because we understand the formulas that life is taking. Parce que nous comprenons Hallelujah. La formule. God said you will live 400 years. Dieu a dit vous allez vivre là-bas pendant 400 ans. Ask yourself, in the 400 years there were people praying. Posez-vous la question pendant les 400 ans. Like they were crying in Egypt. Ils priaient. Father, liberate us. Il dit, Seigneur, libère-nous. Was God not hearing? Mais est-ce que Dieu n'entendait pas? God was hearing their cry. Dieu entendait leur cri. But the time had not yet come. Mais le temps n'était pas encore arrivé. Hallelujah. We have been crying. Nous avons souvent pleuré. The time was not yet ripe. Le temps n'était pas encore. Hallelujah. And God said, my children. Et Dieu a dit mes enfants. Go and tell my people. Va dire à mon peuple. That Pharaoh must let them go. Que Pharaon doit les laisser partir. Meaning the time is now for you to be liberated. Ça veut dire que le moment est venu maintenant que vous soyez. Hallelujah.
For God to tell Moses, car pour que Dieu dise à Moïse, that go and tell Pharaoh to let my people go, dis à Pharaon de laisser mon peuple partir, was because the time was ripe. C'était parce que le temps était arrivé. Hallelujah. When the time was approaching, lorsque le temps approchait, the Bible says God molded Moses. La Bible dit que Dieu a formé Moïse. In order to liberate the people. Pour aller libérer son peuple. I don't know what you are suffering from a long time. Je ne sais pas ce qui te fait souffrir depuis. But God is going to use us today. Mais Dieu va nous utiliser aujourd'hui. And liberate you in the name of Jesus. Pour te libérer au nom de Jésus Christ. I don't know the duration of that captivity. Je ne connais pas la durée de cette captivité. I want somebody with faith today. Je voudrais que quelqu'un ait la foi. That you'll be liberated in the name of Jesus. Que tu seras libéré au nom de Jésus. It does not matter. Ce qui n'importe. Who cares you? Ce n'est pas ce qui celui qui t'a monté qui compte. It does not matter where they take your photo. Ce n'est pas ce, là où ils ont amené ta photo qui compte. But what matter is God is speaking. Ce qui compte c'est Dieu pour son. Hallelujah. The situation now is. La situation maintenant c'est. Are you delayed? Est-ce que tu as été retardé? Hallelujah. For God said they will suffer 400 years. Dieu a dit ils vont souffrir pendant 400 ans. But that was not the situation. Mais là c'était pas la situation. The situation was. La situation était. 430 years. C'était 430 ans. Why that 30 years added? Pourquoi les 30 ans se sont ajoutés? It was not the will of God. Ce n'était pas la volonté. There are situations that we are suffering today. Il y a des situations que nous traversons. God has permitted some situations that we should pass through. Dieu a permis que nous puissions traverser certaines situations. In order for Him to mold us. Pour pouvoir nous transformer. In order for Him to build us. Pour pouvoir nous bâtir. But because of our characters, mais à cause de notre caractère, because of our disconnection from God, à cause de notre déconnexion avec Dieu, we have delayed ourselves. Nous nous sommes retardés nous-mêmes. Not that it is still the will of God for us to suffer what we are suffering. Ce n'est pas que c'est encore la volonté de Dieu pour que nous puissions. Hallelujah. Souffrir. It is a calamity. C'est une calamité. For you to suffer what God has not permitted. De souffrir ce que Dieu n'a pas permis. Hallelujah. That thing will destroy you. Cette chose va te détruire. Nothing can destroy you if God permit that it should mold you. It will never destroy you. Ce que Dieu permet pour te former ne peut pas te détruire. The only thing that can destroy you, la seule chose qui peut te détruire, is what God has not permitted. C'est lorsque Dieu n'a pas permis cela. Hallelujah. The afflictions of the children of Israel, les afflictions du peuple d'Israël, they were much intense, étaient très intenses, in these 30 years, pendant ces 30 ans. They maltreated them the more. On les a maltraités plus in this 30 years. Pendant ces 30 ans. Hallelujah. Gloire à Dieu. How long have you been delayed? Pendant combien de temps avez-vous été retardé? The neighbor. Dis voisin. Neighbor. Voisin. I must possess my possession. Je dois posséder mes possessions. I must possess my possessions. Je dois posséder mes possessions. Yes, you must possess your possessions. Oui. Ce sera tes possessions. But there is a way that we need to pass. Mais il y a un chemin par lequel nous devons passer. How are our lives? How are our lives? Comment est-ce que nos vies? Hallelujah. God is bringing situations. Dieu apporte des situations. That we need to pass through. Nous devons passer. In order for Him to bless us. Pour qu'il puisse nous bénir. The 400 years for the children of Israel to suffer in Egypt. Les 400 ans que le peuple d'Israël était was not to destroy them. N'était pas pour les détruire. It was to prepare them. C'était pour les préparer. In order to manage the blessing that he had promised for them. Pouvoir gérer les bénédictions qu'il avait prévues pour eux. In order to control the great possessions that God had prepared for them. Pouvoir bien gérer les grandes possessions qu'il avait prévues pour eux. Hallelujah. If they were not there for those 400 years. S'ils n'étaient pas là-bas pendant ces 400 ans. They all would have perished without reaching the promised land. Tous devaient périr sans atteindre la terre promise. Hallelujah. What is that situation that you are passing through? Quelle est cette situation que tu traverses? It is there to strengthen you and not to destroy you. Elle est là pour te fortifier, pas pour te détruire. It is there to build you and not to destroy you. Elle Hallelujah. Est là pour te bâtir et non pas pour te détruire. We should stop giving Satan the glory. Arrêtons de donner au diable la oh, gloire. Oh, my life. Ma vie est comme si, ma vie est comme ça. Satan cannot destroy your soul. Le diable ne peut pas détruire ton âme. Hallelujah. Whatever that you are passing through, God is aware. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu est au courant. But let us align ourselves with God. Mais alignons-nous selon les principes de Dieu. To know that that situation should not pass that time. Pour savoir that God have said it will last. Que la situation là ne traverse pas le temps que Dieu avait prévu. Hallelujah.
There is no child that you give birth today that child will rise up and walk. Il n'y a aucun enfant qui naît aujourd'hui et il commence à marcher le même jour. There is a process that child will follow. Il y a une procédure qu'il doit suivre. Hallelujah. When you give birth to a child, lorsque tu donnes naissance à un enfant, gradually they will start with breast milk. On va commencer avec gradually they will start to introduce pap. Après on va commencer à introduire la bouillie. After pap, fufu corn. Après c'est le cochon. The child will start to creep. Il va commencer à ramper. Child will start to hold things. Il va commencer à ranger les choses. You want to steal one leg, two leg. Après c'est un pas, deux pas. Fall, rise, trois, fall, quatre, rise. Cinq. Hallelujah. Even break the some children, they will rise up, they will fall, they will refuse to rise again. Certains ils vont se lever, dès qu'ils vont tomber, ils vont refuser de se lever. Hallelujah. It is a system you cannot skip. Tu ne peux pas. You must rise. You will fall lever. And learn to rise again. Tu dois tomber et tu dois te relever. If you refuse to stand because you will fall, you will remain there. Si tu refuses de te relever parce que Hallelujah. Tu as peur de tomber, alors tu resteras là. There is no partiality. Il n'y a pas de partialité. There is a process. C'est un procédé. This population that we are seeing today. Cette population que nous voyons aujourd'hui. This is not how the Holy Mountain Ministry started. Ce n'est pas comme ça que le ministère a commencé. The Holy Mountain Ministry started with three Christians. Hallelujah. Le ministère a commencé avec trois chrétiens. And we are four men of God. Et nous sommes quatre hommes de Dieu. Imagine four people ministering to three people. Imaginez quatre personnes qui donnent des conseils à trois personnes. But we were not seeing those three people. Mais on ne voyait pas ces trois we personnes. We were seeing this crowd that we are seeing today. On voyait cette foule aujourd'hui. Hallelujah. We will keep on to rise and fall. We know that it is well with our soul. That falling is not to destroy us. Cette chute n'est pas pour nous détruire. It's to prepare our faith. C'est pour préparer notre foi. For this crowd before us. Pour cette foule qui était là devant. Hallelujah. Qui est là maintenant devant. Many of us, men of God, we fail to understand. Beaucoup d'entre nous, hommes de Dieu, nous refusons de comprendre. These principles. Ces principes. We will have Christians today. Nous allons avoir les chrétiens aujourd'hui. Tomorrow they will disappear. Demain ils vont disparaître. We will begin to be bothered. Nous allons commencer à être. Father, what is happening? Seigneur, qu'est-ce qui se have passe? I committed a sin? Ai-je péché? It is because of that one. Est-ce que c'est à cause de it ceci? Is because of this one. Ou à cause de cela? No, it is because of nothing. C'est à cause de rien. God is just wanting to see your reaction. Dieu voulait juste voir ta réaction. Are you there for him or you are there for a crowd? Est-ce que tu es là pour lui ou tu es là pour la foule? For God called you to serve him. Dieu t'a appelé pour le servir. And not for this crowd. Mais pas pour la foule. Hallelujah. For we have taken the crowd in our ministries to be our God. Nous avons fait à ce que la foule without est devenue notre the crowd, Dieu. We will not worship God again. Sans la foule, nous Hallelujah. Without overflow, he will not be God. He remains God. Whether you believe it or not, que tu crois ou pas, Dieu demeure Dieu même. There must be a process. Il doit avoir un procès. You must pass through that training. Tu dois passer par cette formation. Prove to God. Prouve à Dieu that you can handle a crowd. Que tu peux tenir before une foule. He can send you a crowd. Avant qu'il ne t'envoie la foule. Hallelujah. If you refuse to grow spiritually, tu refuses de croître spirituellement, God can never send His people to you to destroy them. Dieu ne peut jamais envoyer le peuple pour que tu puisses le détruire. Are we prepared spiritually to manage a crowd? Est-ce que tu t'es préparé spirituellement pour gérer une foule? The day that you will be prepared, le jour où tu seras prêt, a crowd will come without you praying. Sans que tu ne pries. For if you drop oil here, car si tu verses you de will not invite ants. Tu ne vas pas inviter les ants fourmis. Ants invite themselves. Les fourmis vont s'inviter elles-mêmes. Hallelujah. Are we understanding something? The children of Israel, they were praying. Le peuple d'Israël priait. God was seeing their cry. Dieu voyait leurs pleurs. God was telling them, be calm. Il disait, soyez calme. So I am still removing something from you. Car je suis encore en train de you people are still pride. Vous, pride vous is still you people. Vous avez encore l'orgueil en vous. You people are still disobedient. Vous êtes encore désobéissants. You people are not yet familiar with my voice. Vous n'êtes pas encore familier avec ma voix. If I remove you now, si je vous enlève maintenant, something will destroy that blessing. Quelque chose va détruire until cette bénédiction. When you be familiar with the voice of God. Que vous soyez familier avec la voix de Dieu. When attack will want to come, God will say, do this, we hear and do. If you are not familiar with his voice, that blessing will be destroyed. Hallelujah. And the name of Jesus will be put to shame. Et le nom de Jésus sera blasphémé. There are some blessings that we want it to come. Il y a des bénédictions que nous not that God do not want them to come. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous les donner. They are there. Elles sont là. In the realms of the spirit. Dans le monde de l'esprit. But are we qualified to bring them from the realm of the spirit to the physical realm? Mais avons-nous qualité de les prendre dans l'esprit pour les amener dans le monde physique? Hallelujah. That your deliverance. Cette délivrance. That your healing. Cette guérison. It is there in the spirit realm. Elle est déjà là dans le monde spirituel. What are we needed now? Qu'avons-nous besoin maintenant? Our faith. Notre foi. Is your faith enough?
Est-ce que votre foi est assez grande? To bring that deliverance from the spiritual realm to manifest physically. Pour enlever cette délivrance du monde spirituel pour la Hallelujah. Physique. The man of God will say, "Go, you are free." L'homme de Dieu dira, "Va, tu es guéri." Do you have that faith to believe in that word for it to manifest? Est-ce que tu as foi en cette parole pour que Many of us will say, "Ah, that man of God, no trouble." Beaucoup d'entre nous allons dire que cet homme de Dieu. Hallelujah. He don't declare what he don't happen. Il a déclaré, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hallelujah. Are you on the wheelchair? Est-ce que tu es sur la chaise? You wonder chaise? When they declare, rise up and walk. Que lorsqu'on dit, lève-toi et marche. You will see there, you are listening. That bone never makes a quack. Tu vas dire que non, l'os là n'a pas fait de bruit. Yes, it never straightened, never straightened. Ça s'est pas redressé. Hallelujah. Satan is telling you that remain there. Le diable est en train de te dire que reste là. Hallelujah. You must take that first step. Tu dois prendre ce premier that pas. Step now is you removing that deliverance from the spiritual realm to ce bring pas, it. C'est enlever cette bénédiction dans le monde spirituel et l'amener dans le monde physique. Nebuchadnezzar told Meshach, Shadrach and Abednego. Nebuchadnezzar a dit aux trois compagnons de. If you do not bow down, si vous ne vous prosternez pas, you will be consumed by this blazing. Vous serez consumé par ce feu. I love the faith of these people. J'aime la foi de ces personnes. They told him clear and clear. Ils lui ont dit terre à terre. Don't bother yourself. Ne t'inquiète pas. Because we will not bow down. Nous n'allons pas nous prosterner. Hallelujah. They already saw themselves being delivered. Ils se voyaient déjà être délivrés. They say we know the God that we serve. Ils ont dit nous connaissons le Dieu que Even nous servons. Even if He does not deliver us, même s'il ne nous délivre pas, we will not see bow down. Nous n'allons pas toujours nous prosterner. How many of us can speak to our situations? Combien d'entre nous peuvent dire cela à nos situations? How many of us can challenge our situations like Combien d'entre nous pouvons faire face à nos situations comme de la That de telle even force? If I still feel this pain, I know I am healed. Même si je ressens encore cette douleur, je sais que je suis guéri. Even if I have not yet missed my period, I know I am pregnant. Même si je n'ai pas encore perdu Hallelujah. Ma période, je sais déjà que je suis enceinte. Do you want fruit of the womb? Est-ce que tu veux le fruit des entrailles? They will say, go, receive your children. On va te dire, va, reçois tes enfants. You are sitting, that thing. That thing. Tu vas dire encore cette I want to wait till the end of this month for see whether I will miss my period. Attendre la fin du mois pour voir si You will see that arrêter. It will come and even double. Tu vas voir que les menstrues vont venir même Hallelujah. What is that faith? Quelle est cette foi? Man of God declare, receive. L'homme de Dieu dit, reçois. The next day, go and start to do shopping. Demain, va commencer à faire le things for your child. Hallelujah. Commence à acheter la lait. Before you want to realize, you don't even know when it is. Tu ne sauras même pas comment est-ce que c'est entré. Your jaw will start to puff out. Ta joie va commencer à te manifester. You will start to sleep, understand yourself. Tu vas commencer à dormir et tu vas plus comprendre ton corps. It is just simple. C'est simple. I don't know what is troubling you. Je ne sais pas ce qui te trouble. Our problem. Notre problème. Is not that God does not want to bless us. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir. Our faith. C'est notre foi. Our faith. Notre foi. Hallelujah. Gloire à Dieu. Are you a man of God? Are you a Christian? Un homme de Dieu? Es-tu un chrétien? We pray, but we doubt God. Nous prions, mais nous avons le doute. Am I able? Est-ce que je suis capable? You are not by your own. Ce n'est pas avec ta propre force. Paul said, "I can do everything through Christ that strengthens me." Paul dit, "Je puis tout par Christ qui me fortifie." You can do everything. Tu peux tout faire. What is that challenge? Quel est ce problème? That challenge must hear the voice of God today in the name of Jesus. Ce problème va entendre la voix de Dieu aujourd'hui. For no one is going back today without receiving a solution. Sans avoir reçu la solution. Enough is enough. Trop c'est trop. Hallelujah. God told Moses. Dieu a dit à Moïse. Go and tell Pharaoh. Va et dis à Pharaon. Let my people go. Laisse mon peuple partir. Let my people go. Laisse mon peuple partir. I am speaking to that situation Je in your life. Je parle de cette situation dans ta vie. Is it barrenness? Est-ce la stérilité? Let my people go. Laisse mon peuple partir. Is it hardship? Est-ce le temps difficile? Is it unbelief? Est-ce l'incrédulité? Is it doubt? Est-ce le doute? Let my people go. Laisse mon peuple partir. Enough is enough. Trop c'est trop. We have been delayed for a long time. Vous avez été retardé par longtemps. But the end has come. Mais la fin est arrivée. I don't know the Red Sea that is standing somebody. Je ne connais pas la mer rouge qui était tenue devant vous. Hallelujah. I don't know the Red Sea that is standing before somebody. Je ne sais pas quelle est la mer rouge qui est tenue devant. There is a mantle in this service today. Mais il y a une onction. That will cut that Red Sea away in the name of Jesus. Il va diviser cette mer rouge en deux au nom de Jésus. Hallelujah.
I don't know. I have never preached with a mantle. Je n'ai jamais prêché avec But un God told manteau. Me this morning, my Mais son, Dieu m'a dit aujourd'hui, mon fils, put it on you, hallelujah. Mets ton I only toi. Put it on when I'm in the Holy. Je mets I don't alors need je suis it dans out. Something is happening today. Quelque chose va se passer I don't know that situation. Je ne pas cette situation. But I am speaking to that situation. Je parle à cette situation. That you be liberated in the name Vous serez of libéré Jesus. Au nom de Jésus. Your family will be liberated in the name of Votre Jesus. Famille sera libérée au nom de Jésus. My father, mon père, I don't know that Pharaoh that is standing against you. Qui était tenu contre I vous. Don't know that Pharaoh. Je ne connais pas ce pharaon. But I am commanding that Pharaoh. Je commande ce pharaon. Let my people go. Laisse mon peuple partir. In the name of au Jesus. Nom de Jésus. Hallelujah. Gloire à Dieu. For the iniquities of the Amorites are Hallelujah. Sit down for a minute. Viens vous asseoir. The iniquities of the Amorites are completed today. L'immoralité des Amoriens est complétée. La Bible dit. God told Abraham. Dieu a dit à Abraham. That go. Va. Until the iniquities of the Amorites will be completed. Jusqu'à ce que l'immoralité des Amoriens soit complète. Before you people enter the promised land. Avant que vous entriez dans la terre promise. Ah, my God. Is somebody understanding? Est-ce que quelqu'un comprend? That blessing that you were paying for. Cette bénédiction pour laquelle vous priez. Are you praying for financial breakthrough? Est-ce que c'est la percée financière? Know that it is not somewhere else. Ce n'est pas quelque part. It is already somewhere. C'est déjà quelque part. Do you want money for your business? Est-ce que tu veux de l'argent pour tes affaires? It is in somebody's account somewhere. C'est dans le compte de quelqu'un. Hallelujah. God is just waiting for that time. Dieu attendait juste for that iniquity to be completed. Pour que cette immoralité for you to possess your possession. Pour que tu puisses posséder tes possessions. Hallelujah. You are calling yourself that you are barren. Tu t'appelles stérile. Your children are already there. Mais tes enfants sont déjà là. That time is now. Ce moment-là, c'est maintenant. Hallelujah. For the glory of God to be seen. Pour que la gloire de Dieu soit vue. Are you understanding something? Est-ce que nous comprenons quelque chose? All this that we pass through. Tout ce que nous vivons. People do know that they don't know God. Les gens parlaient they will insult us. Mais ils nous insultent. But it is for a purpose. Mais c'est pour une raison. That same people that insulted you, les mêmes gens qui t'insultaient, they will celebrate you. Ils vont te célébrer. Hallelujah! Are you understanding something? Est-ce que nous comprenons quelque chose? That same Nebuchadnezzar, le même Nebuchadnezzar, that told Meshach, Shadrach, and Abednego to qui a bow dit down, aux compagnons de Daniel de when se they refused to bow down, qu'ils ont refusé, and the glory of God being manifested, et la gloire de Dieu s'est manifestée, that same Nebuchadnezzar passed a decree, le même and said everyone must worship the God que tout le monde doit adorer, Meshach, Shadrach, le and Abednego. Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego. Hallelujah! They will know your God by the situation that you are facing. Ils connaîtront de They will papa. Give glory to your God through the situation that you Ils have glorifier ton Dieu par rapport à la situation Hallelujah. Que For they only called the God of Moses. Ça, ils ont dit le because Dieu de he Moïse. Was the one that made himself available. Parce que c'est lui qui s'est rendu disponible. To liberate the children of Israel. Le peuple d'Israël. Are we understanding? Est-ce que nous comprenons? We said the woman with the issue of blood. On dit la femme avec we are celebrating her today because of her situation. À cause de sa situation. But she had faith enough. Mais elle avait suffisamment to say, de foi. If I can only touch. Dit, si je peux seulement toucher. What are you saying today? Qu'est-ce que toi tu dis aujourd'hui? What are you saying today? Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Hallelujah. Célèbre. Dis voisin. I must possess my possession. Je dois posséder mes possessions. Clap for Jesus. Acclamons pour Jésus. There is nothing that we are praying for. Il n'y a rien que nous demandons dans la that prière. That God needs to create in you again. Que nothing. Dieu doit créer à nouveau. There is no grace. Il n'y a aucune grâce. That we are still praying for. Pour laquelle nous réclamons aujourd'hui. That grace is not available. Que cette grâce qui ne soit pas déjà disponible. God just wants us to align ourselves in that system. Dieu voulait juste que nous alignions sur son système. And we will see that we will manifest. Et nous allons voir comment nous allons manifester. We will operate in dimensions that we don't even imagine. Nous allons opérer dans des dimensions que nous n'imaginons même pas. It is not all about age. Ce n'est pas seulement l'âge. It is all about your commitment in the spirit. C'est ton engagement dans It l'esprit. It is all about what you do with Jesus in your private. Ce que tu fais avec Jésus dans ton privé. Hallelujah. You being a Christian is not chrétien, the Bible that you carry. Ce n'est pas la Bible que tu portes. Nobody should intimidate you with que the personne Bible. Personne n'est intimidé avec la Bible. Nobody should intimidate you with dressing. Que personne n'est intimidé avec des vêtements. Hallelujah. Is your personal relationship with Jesus c'est ta relation personnelle avec Jésus that guarantee you to possess your possessions. Qui te garantit de posséder tes possessions. For it is not all the children of Israel. Ce n'est pas tous les enfants d'Israël that they left Egypt. Qui ont laissé l'Égypte. That they entered the promised land. Qui sont entrés dans la terre promise. Only those that they were ready. Seuls ceux qui étaient Hallelujah. Prêts.
Only those that were committed. Seuls ceux qui étaient God engagés. Said, I will work with these people. Dieu a dit, j'entrerai avec Hallelujah. Gloire à the Dieu. Man of God said yesterday. L'homme de Dieu a dit Only hier, those that decided to serve God with all their heart. Décidé de servir Dieu avec tout like leur cœur. Joshua and Caleb. Comme Josué et Caleb. There is no partiality. Il n'y a pas de partialité. Forget about your spiritual level. Oublie ton niveau spirituel. The day that you forget to connect with God. Le jour où tu vas oublier de te connecter à Dieu. That same day you are bound to be destroyed. Ce même jour tu vas Are we getting something? The Bible says in Jeremiah chapter 18. Dans Jérémie 18. God said the very instant. Dieu a dit. That he is thinking to bless you. If you start doing bad. Que si tu commences à penser, that same instant, that blessing will be destroyed. À ce même instant, la bénédiction sera the détruite. Same instant, he thinks of destroying you because of your sin. Et au moment où tu penses détruire, and that same instant, you decide to turn from your sin. Et au même instant, tu décides de te détourner de ton péché. He will let go. Il va te laisser. Hallelujah. Il va abandonner. How is your relationship with Jesus? Quelle est ta relation avec Jésus? Forget about the ministry that you worship. Oubliez le ministère dans lequel tu adores. Forget about what your man of God is doing. Oubliez ce que l'homme de Dieu Because va dire. Now we are looking men of God. Parce que nous regardons my man maintenant. Of God they go up, my man of God they come down. Mon homme de what Dieu, is your own personal relationship with c'est Jesus? C'est Hallelujah. Avec Jésus. It is all about relationship. C'est la relation qui compte. A good relationship bears good fruit. Une bonne relation produit Hallelujah. Des bons fruits. If you have a good relationship with your wife, si tu as une bonne relation avec ta you femme, don't need somebody to testify that marriage will be successful. De témoigner que Hallelujah. Que le mariage sera réussi. No matter how you people pretend outside, quel que soit comment if your life Seigneur, in the house is not sweet, si votre it must manifest to the outside. Bonne, ce sera manifesté Hallelujah. À l'extérieur. You can never pretend forever. Tu ne peux pas faire semblant pour cela. No matter how we pretend in our quarters, our neighbors will not sleep. Fire! Fire! I bind, I lose, I do this. They say, mommy, prayer, without a good relationship, nothing will happen. Si on, même si Hallelujah. De prier, que tu n'as pas une Every bonne day relation, you will go and beg from those same unbelievers. Tous les jours, tu vas aller Every demander day même you à will be the highest to receive attacks. Tu seras la personne qui va recevoir le plus d'attaques. How is your relationship? Quelle est ta relation? God promised them. Dieu leur a promis. You will possess your possession. Vous allez posséder votre possession. Only if you listen to my voice. Seulement si vous écoutez ma voix. Obey my voice. Obéissez à ma Even voix. Even Moses that saw God face to face Même never Moïse, entered. Qui a vu Dieu face à face n'est pas entré. For us to know that there is no partiality. Juste pour que nous sachions qu'il n'y a pas de partialité. Hallelujah. I should not say you people are seated before me now. I begin to beat my chest. Je ne dois pas dire que vous êtes assis that devant I have moi. J'ai arrived. Poitrine, je dis que I je have suis done arrivé. That. Je you finis. Don't force this thing. Vous ne forcez pas ces choses. Hallelujah. You don't force it. You don't intimidate people to submit under you. Vous n'intimidez pas les gens qui se soumettent à vous. If we intimidate you people to submit under, si nous vous intimidons que vous nous soumettez à nous. One day that thing will come out. Un jour, and when you people go, no turning back. Cette force va disparaître. When you are not coming back, not only you alone, you will tear other people. Et lorsque vous n'avez plus revenu, vous allez dire aux autres. The same if I walk my spiritual life. Si je travaille ma vie spirituelle. And what that God put on me. Et ce que Dieu a mis en moi. Compel you to come here. Vous attire ici. No matter what they tell you, you will never go. Qu'on va vous dire, vous n'allez pas partir. Are we understanding something? That is simple in ministerial work. C'est ça le ministère. Jesus never forced anybody to follow him. Jésus n'a jamais forcé quelqu'un de le suivre. There were many. Ils étaient nombreux. There were not only these 12 that he called. Ce n'est pas seulement les 12 qu'il a appelés. Many. Il a appelé they were there. Ils étaient Let là. Me go back and bury my. Laisse-moi Let me aller go enterrer back ceci. And say, no, go, no, there's no dit, problem. Il n'y a pas de problème, tu peux partir. These are the same people if you force them to be there. Ce sont les mêmes gens que si tu les forces à Tomorrow they will say, man of God, now you be same man, remain. Demain ils vont dire que homme de Dieu, c'est toi qui for a demandé que year, je reste. What don't happen for my life. Toutes ces années, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? The same people told Jesus. Les mêmes personnes that see, I follow you now. My father has died. I'm not buried. Maintenant, mon I have père, not moi, done je this. Suis allé I've not je done n'ai that. Pas fait ci, je n'ai pas fait Hallelujah. Ça. Everyone follow Jesus out of their own will. Chacun suit Dieu selon sa propre volonté. Clap for Jesus. Acclamons pour Jésus. We are forcing our family members. Parfois, nous forçons you les must de nos worship familles. God. Tu dois adorer If Dieu. If you don't worship God, that blessing will you do, I not go give. Si tu ne n'adore pas Dieu, je ne vais pas te bénir. Yes, they go pretend, no? On va faire semblant. They go pretend come for your church. Ils vont Now, venir fasting, à l'église. Once, tu veux voir le jeûne? You want to see fasting, they will show you fasting. Si tu veux, c'est le jeûne que tu veux voir, ils vont te donner le jeûne. Worship, you will not sleep again. Tu ne vas plus dormir. Prayer. Ils vont prier à chaque instant. When it land in the hand. Lorsque ça touche leur That's main. When you will know the real person. C'est là que tu sauras qui est la Hallelujah. Vraie personne.
That same junior brother. Le même petit frère. You want to talk, he will call you by your name. Quand tu vas vouloir parler, il va t'appeler par ton nom. Ah, you say, I was the one that established this business. C'est moi qui ai établi cette affaire. You tell that it means that I should worship you. Tu penses que c'est pour ça que je dois t'adorer? Why you force? Parce que tu as forcé. Anything that you force, you retaliate. Tout ce que tu forces maintenant, ça va se perdre. I cover you with the blood of Jesus. Je vous couvre par le sang de Jésus. I cover this message in your heart with the blood of Jesus. Je couvre ce message dans vos cœurs par le sang de Jésus. I pray that as we go, let us meditate with this word. Je prie que nous puissions méditer sur cette parole. So that it will help us to possess our possessions in the name of Jesus. Posséder nos possessions au nom de Jésus. For no Satan will be able today to hold your possessions. Aucun diable ne pourra empêcher votre possession. For the iniquities of the Amorites are surely completed today in the name of Jesus. Car l'iniquité des Amoriens est complète aujourd'hui au nom de Jésus. Holy Spirit, I thank you. Saint-Esprit, je te remercie. Thank you, Father, for you have passed your message. Merci car tu as passé ton message. I pray, Lord, may you give faith enough, touch the heart of your people. Je prie que tu donnes suffisamment de foi. To believe your word in the name of Jesus. Qu'ils croient en tes paroles au nom de Jésus. In Jesus' name, I pray. Au nom de Jésus, nous avons prié.